en route vers l'avant-poste de Macaron pour affronter l'amiral Risser, qui a fait régner la terreur sur cette partie de Balmor. Mais je sais, ma voix est sublime. Laissons-le croire. Ouais, j'arrive. Et voilà que je rattrape à Ouregan avec mon super speeder. Je vais la dépasser. Forcément, tu triches. Et voilà, hop là. Oh, bah oui. Évidemment, si tu attires les impériaux, hein, ça va pas aller. Hein. Bon, il y en a une aussi. Ah, je le prends. Comment ça, tu le prends? Et moi, j'en ai besoin aussi. Non, j'ai pas besoin, mais bon. C'est un équipement contrebandière. Et si j'avais besoin d'un équipement contrebandière, t'as bien porté des tuniques Jedi pendant quelques niveaux. Ouais, c'était sympa. Comme ça, je passe inaperçu. T'as rien compris, toi. Ouais, ouais. J'ai espionné le Conseil Jedi, en fait, pour le compte des Sith et l'Empire. Ah là 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 là. Bon, montons. Alors, faut monter ou descendre? En fait, il faut faire le tour en fait, on fait une espèce de boucle. Ou alors on monte par là. Non, non, il y a des gens à tuer là. Non, on peut monter par là si tu veux. Ah d'accord, il y a des gens à tuer là. D'accord, bon, ok. J'ai mes blasters qui me démangeaient. Ouais, d'accord. Il va falloir que tu prennes des leçons de... J'ai bien fait de venir à part de ce côté-là. Alors que j'apprenne que je te donne des leçons d'humanisme Jedi. Dit-elle en tirant le sabre laser et en découpant des gens en morceaux. Je suis contrebandier, fier de l'air. Arrêtons. Voilà. J'ai l'impression de laguer un tout petit peu quand même. Et s'il soigne bien mon droïde, je suis fier de lui. Il n'a aucune arme, mais je suis fier de lui. Oh oh, attention! Là par contre, c'est moi qui ai fait l'erreur de rentrer dans le champ de vision de ces messieurs, droïdes. Et impériaux. Ce n'est pas grave. Oui, je sais, ça te fait un compte pour le bonus, donc tu es contente. Madame est contente d'avoir son bonus. À Ouregan, et les bonus, c'est toute une histoire d'amour. J'aime bien les bonus. Oh, mais de toute façon, tu sais, je me moque de toi, mais finalement, je l'ai fait avec plaisir aussi. Hein. Étant donné que les bonus me donnent à peu près 50 à 100% de points d'expérience. 50 à 100% points d'expérience en plus par rapport à toi. Donc, étant donné que tu es une non abonné, mais ça me regarde pas, Thierry. Exactement. Il y en a un qui t'embêtait par derrière. Oui. Bon, il t'embêtera plus, hein. Déjà 15 sur 25. Putain, mais on est des meurtriers, hein. Enfin, des meurtrières, pardon. Allons-y. Bon, je présume qu'on peut le continuer à l'intérieur. Je pense aussi, ouais. On va voir ça tout de suite. Excusez-moi, ça fait rigoler à chaque fois. Eh oui, mais oui. On va continuer à l'intérieur, parfait. Donc, ce sont les troupes de l'amiral Risser. Pas bien solides, hein, je veux pas dire, mais... Il y en a là aussi, non? Ouais, on les a vite... Non, il n'y en a pas là. L'ascenseur. Ah, l'ascenseur. J'aurais bien sauté, mais là, un peu haut. Oh, t'as vu comment j'ai atterri tout en souplesse. Ouais, moi aussi, à côté de toi, hein, je te rappelle. J'ai sauté aussi, hein? Bon, alors. J'ai pas vu. Par ici. Je vois que quand ça m'arrange. Bonjour, messieurs les impériaux. On vous dérange pas, j'espère. Un petit message pour l'amiral Risser.
médecins à bord de ce vaisseau. J'espère que vous les trouvez plus. Un chargeur. Tiens, mon droïde me dit quelque chose là. Maîtresse, vous savez, j'ai eu l'idée de rembourrer tous les coussins à bord de votre vaisseau. J'espère que vous les trouvez plus confortables. Tiens, un droïde. Je le trouve plus confortable. En fait, c'est quand il voit que comment on traite les droïdes impériaux, il se dit, vaut mieux que je fasse attention à ce que je dis. Oui. Attends. Il n'y a pas de petit crédit. Il n'y a pas de petit profit avec des crédits. Alors... Et après tu dis que c'est moi qui recherche les... Bah c'est pour toi surtout hein. Je collecte pour toi. Oui bien sûr. Personne n'est du pain. Hop là. Ah bon? Eh ouais. J'aime bien le cri qu'il a poussé le mec. Après, c'est un cri... Regarde, il est mort debout en plus. Bah oui, c'est... Ah oui, tiens, il meurt d'effroi, il meurt d'effroi de vous. Il a tellement fait peur que... Ouais, il est figé. Pétrifié. Ah, voilà, le petit monsieur qu'il faut qu'on parle. Ah ouais. Alors j'espère que je vais bien entendre le dialogue. Bah là, c'est toi qui... Voilà. Assez. Vous n'irez pas Moi, j'entends loin. Pas. Vous ne faites pas quoi? Comment ça se fait? Maintenant... Je vous laisserai un peu d'avance. Ça c'est pas moi par contre, c'est Skype chez toi. Hein. La plus proche. Mais tu entends un bruit de fond avec mon dialogue? L'Empire contrôle Balmora. Les meilleures armes de la galaxie sont maintenant aux mains de la puissance la plus forte. Si la République insiste pour affronter cette puissance, Balmora en souffrira. Quoi que vous ayez fait, vous le regretterez. En perdant du temps avec une imbécile, on dirait. Merci. Bon, d'abord le petit à côté. Bon, tu me diras, ça va aller vite, hein, mon ami. Enfin, quand je dis ça va aller vite, c'est pour dire, quoi. Il est quand même assez résistant, on va dire. J'immobilise un peu, un petit coup de pied. Voilà. Ouais. Qui c'est qui a fait voler, c'est toi? Moi. Avec mes blasters. Voilà. Il y a encore un mort debout là à côté, t'as vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je te laisse. Alors... Je t'en prie. Dialogue? Mais oui. Tu entends maintenant le dialogue ou pas? De défense satellite. Je mets le son à fond en fait pour pouvoir entendre, sinon j'entends pas. Dites-moi que les autres yeux de lynx m'ignorent simplement. Il n'y a que moi et quelques impériaux morts. Bizarre. Les yeux de lynx ne quittent jamais leur poste. Sauf pour aider des gens comme vous. Oh oh, ça sent mauvais. On dirait que le virus a fonctionné. Je peux entrer une commande avant que le système se verrouille. Un seul mot et... Non. Non, impossible. Les yeux de l'Inde sont exécutés. Ordre de l'amiral Rizer. Comment savoir si c'est vrai? Je sais lire. C'est facile d'intercepter les messages de communication. Ah. L'assaut a déjà été donné. Le centre de commandement impérial est impossible de localiser. Détruis nos défenses. Utilisez le satellite pour trouver le commandement. Éteindre la console d'exploitation. Terminé. Je me mets dans tous les états pour quelques trucs détruits. Mais ici, il est question de vie ou de mort. On n'a droit qu'à une commande. On doit s'en servir pour trouver les yeux de lynx. Faites-le. On ne laissera pas des innocents se faire tuer. Bonne décision. Les yeux de lynx sont détenus dans l'usine de droïdes Okara. On a de la chance. C'est pas très loin. J'ai neutralisé leur plus grosse défense avec leur turbo laser. Mais il reste beaucoup d'impériaux. Leur nombre diminuera vite quand j'arriverai. Merci mille fois. Vantarde. Mais non, c'est la réalité. On approche de l'usine. Ouais. T'as vu, il y a une espèce de gros cristal vert près de l'usine.
qu'on appelle les ressources. Oh non, encore cette usine. Alors... Un petit soin avant d'y aller. Hop là. Donc alors voilà, l'usine est devant nous et on va sauver les techniciens de l'œil de lynx. Si la force le veut. Si elle peut pas, il y a toujours le bactère. Eux ils sont toujours d'accord. Il y a du monde devant. Mmh. Ah oui. Et nous on passe à droite nous. Oh, ils sont gentils, ils nous ont ouvert la porte. L'ascenseur est tout au fond. Ouais, je suis juste au bord. Vas-y, tombe. Ne pousse pas la Jedi. Avec la force, tu vas voler, non? Ouais, ouais. Dans tes plumes, je vais voler surtout. J'en ai pas. Ouais. Hop là. Oiseau de mauvais augure, tiens. Pas du tout. Ah bah nos partenaires sont restés en haut, ils sont sympas. J'ai congédié et le faire revenir, tiens. Ouais non, il va venir. Et hop là. C'est marrant, t'es passé dans le sol, en fait. Je suis passé dans le sol. Ouais, pour moi je t'ai vu passer dans le sol, tu verras sur la vidéo. T'es passé dans le sol, tiens, il y a du monde qui passe là. Les chercheurs 3 réduits en esclavage, d'accord, ok. Bon ben on va d'abord à gauche là. Ouais, ou tout droit comme ça, ça pas n'importe où. Ok, cherchons les chercheurs. Vaincre les forces impériales. Oula, oui effectivement il y a du monde. On commence par la droite hein. Ah bah d'accord, bah oui, t'es... Ah, il y en a partout en fait. Oui, il y a toute une rangée. Bon, ça va, ils sont pas trop solides. Non. Alors, dialogue. Vous nous avez sauvés. Je pensais que personne ne savait qu'on était là. Les impériaux allaient se servir de nous pour des exercices. C'est de tous des Twi'lek en on fait. On a une dette envers vous. Allez vous mettre à l'abri. On va courir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de drapeau impérial. Encore merci. Voyage rapide vers l'avant-poste Farnell. C'est parti. Voilà. Et je vais encore rattraper Aurigan. Il a encore triché. Car moi je prends mon speeder car je suis plus, comment on dit déjà, pragmatique. Oui, je suis arrivé avant toi. Hein. Tu es parti avant moi aussi. Toutes les idées sont bonnes. La République n'aurait pas pu trouver le pire endroit. Je m'attends à voir des insectes géants sortir du mur à tout moment. T'entends les mecs qui parlent, non? Bah oui, c'est Corso qui parle. Ah ouais, bah c'est... j'ai entendu en fait. Il a dit la République n'aurait pas pu trouver pire endroit, je m'attends à voir des insectes géants sortir du mur à tout moment. Oui, voilà, c'est ça. Ah bah c'est lui qu'on voilà. A au début là. Voilà. Retour au... à la case départ. Voilà. On va démarrer. Ravi de vous revoir. Le système satellite a été détruit et le combat est terminé. J'ai déjà participé à des opérations intenses, mais ça... Disons que Verminville ne s'est jamais aussi bien porté. Notre victoire sur l'Empire ne tient qu'à un fil. Si j'avais eu le choix, je n'aurais pas libéré de prisonniers civils. Tu entends, pote? C'est bon? Ouais. La République repose sur ses alliés, pas sur des bâtiments.
Les yeux de Lynx connaissent l'infrastructure de Balmora mieux que personne. J'entends super bien. Avec eux, nos prochaines victoires sont peut-être plus assurées. Quoi qu'il en soit, on serait sûrement dans les débris du bombardement sans vous. Je vous remercie. Une grande partie de Balmora a survécu. Quelle est la prochaine étape ? Allez dans les zones les plus peuplées. Commencez à contacter les locaux. Notre prochaine grosse offensive sera pour le quartier général impérial de la ville de Sobrik. Une résistance balmorienne importante s'est organisée là-bas. Beckett Alroth, le chef de la résistance, nous a demandé de l'aide. Mais le système satellite nous a empêché de répondre. J'aimerais vous y envoyer. Heureuse de voir que quelqu'un d'autre se défend. Jusqu'à présent, ils étaient les seuls. Je ferai savoir à Beckett que vous partez dans cette direction. Il vous attendra. Je dois retourner m'occuper du déploiement des troupes. Je suis certain qu'on s'en verra. Bon ben voilà, merci au Oregon de ta participation à cette mission et la suite au prochain épisode. Mais de rien, c'est avec plaisir.